Dans l'amour dans le passé, c'était beaucoup plus sérieux. On s'aimait et on restait ensemble. Et quoi qu'il se passe, tout allait bien ou mal, mais on restait ensemble. Il n'y avait pas de mauvaise discussion. Et aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup changé. Ça a changé? Parce que maintenant, on a un autre. C'est un ingénieur. Oui, de quel pays? Il est français. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un humain. Pardon? C'est un humain. Bien sûr. Un humain de quel pays? Ça, je sais pas. On va regarder. C'est ça que je veux savoir. Il est de Neuchâtel. Ah bon? Mais puis, pourquoi qu'on m'envoie ce bonhomme? Quoi, lui? Non. Tu veux pas? Ok. Oui, je veux la m'intéresse. Ah, d'accord. Lui? Il vient de... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait faculté de médecine. Ok, c'est bon. Non, mais c'est beau. Ah oui? Il veut te rencontrer. Ça me fait plaisir. On lui dit bonjour monsieur aussi. Oui, bonjour. Oui, on va lui dire bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bon. Je pense qu'à l'époque, un homme, pour conquérir une femme, il allait en bateau chez elle, sous la fenêtre, lui déclarer sa flamme, il lui offrait une rose. C'était très... c'était très différent, je trouve. Aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Aujourd'hui, il y a les réseaux, ça évolue. On va dire ça a évolué. Oui, ça a évolué parce qu'il y avait les réseaux, donc ça se passe beaucoup plus vite. Et il n'y a pas forcément plus... le mot amour n'existe presque plus, quoi, je trouve. Si on parle en termes sentimentaux. Alors, nous avons les informations pour Don Pablo. Nous avons son âge, son poids, sa taille. Et juste en dessous, nous avons le numéro pour que vous puissiez le commander. Je pense que les gens, là, ils ressentent plus ça. Tu vois, avoir un coup de foudre, ils passent à travers ça, quoi. Moi, ce que je pense, c'est que maintenant, c'est du fast-food, quoi. C'est du youporn, quoi. Je pense que c'est quelqu'un, les gens, ils les regardent, ils se voient, et puis, tiens, tu me plais, et puis, bref, ils passent direct dans l'action. On devrait apprendre un peu les bases, on devrait apprendre un peu le respect, et puis commencer un petit peu plus à peut-être écouter son cœur, et puis apprendre vraiment à savoir ce que c'est l'amour, tu vois.